En l'an de grâce 1485, au pays d'Andenne, vivait un grand seigneur, le roi Serge. Connu pour être un bon vivant, il passait des jours paisibles à festoyer et guerroyer dans son village au milieu des villageois. Or, il était temps pour le roi de penser à sa descendance. En effet, ses sujets commençaient à s'impatienter. Hélas, le roi Serge était aussi stérile qu'un galet, et le peuple n'allait pas tarder à le savoir. L'infâme Didier fut le premier à découvrir le terrible secret et prépara un coup d'état. Le roi Serge fut emprisonné et l'infâme Didier s'empara du trône. L'avenir du royaume était menacé. 531 ans plus tard, deux gars dans une voiture sont en route pour la tour de Bonvouloir. Ah, je les emmerde, Mimi, le samedi après-midi, à venir ramasser des champignons. Là, j'ai autre chose à foutre, moi j'ai mon camping-car à laver. T'as pas de camping-car, toi ? Mimi, t'es où ? T'es où, Mimi ? Oh ! Bon, il est encore parti chier dans la forêt ou quoi, là ? Mimi ? Oh ! Et où ? Mimi ! Et quoi ce truc là ? Je sais pas, ça a peut-être un lien avec la disparition de Mimi. Bon, tu crois ? Et peut-être y a un mec qui est en train de regarder la télévision dans la tour. Vas-y, passe ta main dedans là. Oh, t'as que le faire toi, yo. Bah, t'es quand même plus costaud, hein. Oh, mais, bon, je veux bien, mais bon, tiens-moi la main au cas où si je me faisais aspirer, yo. Alors qu'est-ce que tu sens ? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est chaud, c'est humide. On dirait qu'il y a une poignée. Je tire dessus ou pas ? Non, attends. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh putain, on a volé mon scénic ! Mais t'es con, dis pas de conneries ! On est même pas au même endroit, on est peut-être même pas à la même époque. Attends. J'ai même pas de réseau. Ouais, fini les conneries, j'en ai marre, moi. Je rentre à la maison, il y a le match de rugby qui va commencer. Tu vas par où, là ? Et tu vas par où, là ? Tu vas par où ? Ouais. Bon, mais il y a plus de route. Putain, il y a plus de route, on continue ou quoi, là ? Bah ouais, je continue. Nos deux héros ont marché plusieurs heures dans un monde qui leur est totalement inconnu. Un monde sans technologie moderne, sans wifi, un monde sans le moindre LOL. Ils décident alors de faire une pause. Wow ! C'est quand même dégueulasse de boire de l'eau dans laquelle je viens de pisser. À quelques pas de là, un village est en pleine effervescence. Il n'avait pas dégainé. Eh oui, signature, voilà. Encore une ardoise. Bravo ! 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 Pas de chance pour nos valeureux héros. À quelques pas du village, ils se font arrêter et emprisonner. Tu vas bien venir ? Ah, mais c'est
tu vois où ça nous mène tes conneries de champignons, j'ai encore loupé le match. Et les autres, ils nous reconnaissent même pas. C'est normal qu'ils vous reconnaissent pas. Vous n'êtes pas encore de ce monde. Mais vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici pour accomplir la prophétie. Vous allez devoir aider le roi Serge à reprendre son trône. Serge est sur le trône? Il n'y est plus. Il a été emprisonné. Le roi Serge est l'ancêtre de votre Serge. En quoi ça nous regarde? Nous, on a notre Serge. Démerdez-vous avec le vôtre. Mais vous ne comprenez pas. Si le roi Serge ne reprend pas son trône, il n'aura pas de descendance, il n'y aura pas de festival des Andenneries. De toute façon, il est stérile. Ça sert à rien qu'on le libère. En réalité, il y a un remède. Il y a un lac magique. Et s'il boit son eau, il ne sera plus stérile. Bon, il est où le roi Serge? Cette nuit, la porte de votre cachot sera ouverte et vous trouverez le roi à côté. Une dernière chose, vous ne parlez à personne, vous ne touchez à rien. Vous libérez le roi, vous le laissez reprendre son trône. Bonne chance à vous. À la nuit tombée, les trois braves quittent cellule et cherchent celle du roi. C'est vous le roi Serge, on va vous libérer. Oh, laissez-moi dans ma cellule, foutez-moi la paix, laissez-moi. Dis donc, mon petit bonhomme, il y a un trône qui t'attend. Je ne mérite pas ce trône. Mais si, mais il y a une solution pour votre problème de... Enfin, c'est même pour les enfants et tout ça, ça va s'arranger. La fée l'a dit. Non, je peux pas. Je peux pas, c'est pas possible. Bon, on fait quoi? Il veut pas sortir, on se casse? Attendez, on va réfléchir, mais... Qu'est-ce qu'il aime, Serge? Ben, le galvin! Ou bien les blagues! Ah, super, on va lui raconter une histoire à tour de rôle, ça va lui remonter le moral. C'est un Allemand, un Turc et un Espagnol qui rentrent dans un bar. Une blanche dans le ciel. Tiens, un oiseau noir. C'est un Roumain, un Chinois et un Français qui rentrent dans un bar et ils demandent un verre. Ces deux blondes, ils sont dans une bagnole, il y a un oiseau qui chie sur le pare-brise. Blonde qui regarde dans le ciel. Oh, un oiseau mort! C'est un ours, un lapin. Un ragondin qui rentre dans un bar. Il commande un verre. Deux blondes font du vélo. L'autre. Oh, des chevaux. Alors, une girafe allemande. Un ours espagnol. Et un lapin anglais rentre dans un bar. Et il demande un verre. C'est bon! J'en peux plus de vos blagues. Vous avez gagné. Bande de cons. Je reprends mon trône. D'un pas décidé, le roi Serge est en route pour le château, pour défier l'infâme Didier et tenter de reprendre son trône. Didier, tu as volé mon trône. Infâme Didier, je viens le reprendre. En garde! Ciseaux! Tu connais pas le chiffomi? Le ciseau coupe la feuille entoure la pierre, et la pierre casse le ciseau. Allez, on garde! Ciseaux! Feuille! Oh là là! Le lendemain matin, le roi, les villageois et nos trois chevaliers sont en chemin vers le lac sacré pour accomplir la prophétie. Bravo, vous avez réussi votre quête et vous n'avez touché à rien. En buvant cette potion, vous allez retrouver votre vie normale. Ah, ben c'est pas trop tôt.
Par cette eau pure, j'assurerai ma descendance. Il est beau le roi. Il est beau le roi, t'as vu le... Hein, le... Vous êtes encore là, vous? Qu'est-ce qui vous fait marrer? Eau pure. Après, qu'est-ce que j'ai fait dedans? Vous avez quand même pas fait vos besoins dans le lac sacré. Je ne suis pas gêné. Mon Dieu, c'est une catastrophe. Vous avez peut-être changé le cours du temps et Serge sera peut-être... Serge, c'est toi? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce bordel? La fée a-t-elle réussi à renvoyer nos héros à leur époque? Qu'est-il arrivé à Serge? Pourquoi les comédiens de ce film jouent aussi mal? Tant de questions qui demeureront sans réponse. Ainsi s'achève la légende des Andennes.